Oui, qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai trouvé de belles fleurs, parmi les fleurs. Non, allez, arrête. Vous avez déjà entendu? Allu à l'automne. Et les petits donc restent, le fœtus reste comme une noix tout l'hiver. Puisque en fait la biche ne trouve pas beaucoup à manger dans son environnement naturel. Et les deux derniers mois, donc là au printemps, dès que l'herbe repousse, le fœtus grandit et le fang naît au mois de mai. Mai, juin, les petits arrivent. Donc on va essayer d'aller en débusquer un ou deux. Les biches donc font un petit et pendant une semaine ou 10 jours, moi j'en ai pas vu encore, je les laisse tranquilles. Pendant une semaine ou 10 jours, elle va à son petit 2 fois par jour ou 3 fois par jour pour l'allaiter. Mais elle le laisse caché, c'est-à-dire qu'on va peut-être passer à côté d'un fang, on va peut-être passer à 50 cm. Et on va peut-être pas le voir sur le nombre, j'espère quand même qu'il y aura quelques découvertes, mais c'est pas dit. Donc on fait le moins de bruit possible pour pas les déranger. Oui. On crie pas, on court pas, évidemment. Et on va peut-être voir un petit fang, mais je vous promets rien. Moi j'en ai pas vu encore cette année. Vous avez le daim, vous avez l'élan, vous avez l'élan ou l'orignal, ça dépend où est-ce qu'il est. Où est-ce qu'il se trouve. Vous avez des sortes de cerfs, il y a le cerf sica, ça c'est le cerf élaf. Et dans le cerf élaf, il y a, je crois, 15 sous-espèces. Donc ça c'est du cerf élaf britannique et d'Europe de l'Est, qui s'habitue bien à l'élevage. Ce n'est pas des animaux que je suis allé chercher dans la nature, rentrer, hop, un grillage, ils sont là. Parce que ces animaux qu'on trouve ici à l'état sauvage, oui. Il y a des cerfs aussi à l'état sauvage, mais plutôt de l'autre côté de la nationale 10. C'est-à-dire qu'ils traversent très très peu. Voilà. Ceux qui sont ici à l'état sauvage, oui. C'est qu'ils se sont échappés d'ici ou qu'on les a fait échapper. Okay. Mais dans les Landes, il y a une espèce de cerf élaf qui est plus grande. Hein, les biches sont un petit peu plus grosses que celles-là. Une quinzaine d'années, même là il y en a une qui a 18 ou 19 ans, les vieilles on les tue pas, on les laisse mourir de leur belle ferme. Et vous allez les reconnaître, les plus vieilles, elles n'ont pas le ventre gonflé, elles sont un peu maigres, elles ont le dos courbé. Quoi. Voilà. Et les plus jeunes, elles ont le poil pas joli. Là elles sont en train de changer le poil, c'est-à-dire que le poil d'hiver qui est épais, qui leur permet de résister au froid, d'avoir chaud, s'en va et laisse progressivement la place à un poil fin qui va être le poil d'été. Allez Candy, montre-toi les ratiches. Alors, regardez, venez voir de près. Candy, elle a un peu de vert. Et là les dents, putain c'est dégueulasse, elle a mangé de l'herbe. Regarde, hop, tu vois si tu regardes là, elles ont les dents qui s'usent. Et en fait, autour du blanc de la dent, il y a un rond noir qui après devient carré au fur et à mesure que la racine de la dent, en fait, tu vois la racine, et tu arrives à dire quand c'est carré, c'est des chevaux qui ont plus de 15 ans. Et après, plus le carré est marqué, plus
qui sont vers la fin. Et si t'as pas du tout de noir, voyons-toi. Eh oui, il est pas loin des Canadiens. Attends, Canada, il faut hein. Appuyer un petit peu sur le nez. Ouais. Ah ouais. Pas besoin d'aller plus loin. J'ai pas l'impression qu'elle soit très inquiète. Elle est parce que quand elle est dans les petits. Oh. Ouvre quoi? Mais t'as déjà les yeux ouverts, non? Non, là ils sont ouverts. Oh, ferme-les alors. Oh, c'est bizarre ton affaire. T'as jamais tourné dans un film de Dracula, toi? Non. T'es dans le voir. Ils sont ouverts ou fermés là? Ils sont ouverts. Ferme-les là. D'accord, hein, merci.